Shalom, shalom, prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Recevez toute la grâce et la bénédiction du Seigneur. Connectez-vous parce que nous allons recevoir des révélations de taille. Oui, de taille, parce que c'est beaucoup de choses que nous allons partager tout à l'heure. Voilà, donc je tenais à saluer tous les brigadiers et les brigadières du monde. Tous les brigadiers et les brigadières du monde entier, connectez-vous, commencez déjà à partager la vidéo. Commencez déjà à partager la vidéo parce que ça sera du balèze tout à l'heure. Voilà, ça sera du balèze. Et puis, on aura l'occasion de prendre au moins, j'aurai l'occasion de prendre au moins 3-4 intervenants. Voilà, au moins 4 intervenants, j'aurai l'occasion de prendre. Je vous informe que je suis sur ma page Facebook. Voilà, prophète Joël Crasso ministère, sur ma page Facebook, prophète Joël Crasso ministère. Voilà, prophète Joël Crasso ministère. Ok. Et puis, bon, après l'intervention, cette intervention sera directement sur le YouTube. Sur le YouTube. Voilà, donc, déjà commencez à partager la vidéo pour que nous soyons encore nombreux pour avoir l'information de taille. Je vois déjà, béni de Dieu, je vois lui, Shalom Aïdara. Voilà, tout le monde, Florence Choco. Bon. Shalom, shalom. Commencez à partager la vidéo, ça sera plus intéressant. On va aller dans Agua Gugnon, parce que nous, pour nous ici, là, c'est Agua Gugnon. On attache les sorciers. Agua Gugnon. Agua Gugnon. Voilà donc Agua Gugnon. Voilà le temps qui est, n'est-ce pas, un morceau du prophète Crasso que je suis. Voilà, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ok. On y va avec Agua Gugnon. L'année passée était une année très difficile pour toi, c'est vrai. L'année passée était une année difficile pour toi, c'est vrai. L'année de l'accomplissement de toutes tes prophéties. Ouais. Mariage, enfantement, voyage, partagez la vidéo. Succès, innovation. Partagez. Car tu seras pour l'éternel une source de bénédiction. Et pour cela, chante avec moi ce chant. Agua Gugnon, Agua Gugnon, chez un émoua. Agua Gugnon, la croix du moua. Agua Gugnon, chez un émoua. Agua Gugnon, chez un émoua. Nimoua, 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 Nimoua. Lorette, Shalom. Jésus a ni mot, ni mot lé, Jésus a ni mot. Partagez la vidéo. La brigadière Marie-Jacqueline. Voilà, pasteur Serge Shalom, je suis à base à Divo. Dans le nom de mon général, donne-moi ma tablette. Donne-moi la tablette. Shalom à vous. Ouais, merci mon général pour ma tablette que tu me remets maintenant là. Ça va m'aider. Dans le nom de mon général, Ludovic. Jésus a ni moi, Agua Gugnon, la croix ni moi. Jésus a ni moi, Jésus a ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Jésus a ni moi, ni moi, Jésus a ni moi. Nelenda, nandelanda. Ouais, c'est le Seigneur qui est fort. Oh, Zambé,
Connectez-vous. Tu as cru me lier, tu as cru détenir ma destinée. Avec toi, Satan, hey, je ne veux pas les boutiques, tu n'aimes. T'es les mains douées sous les pieds, des problèmes. Les ambinagas. Attaché. Commencez à partager. On va aller voir Gbaza Gbolozo. Gbaza Gbolozo. Gbaza et Gbolozo. Comment il est mort, Gbaza Gbolozo? Le ministère de la compassion des arts. N'est-ce pas, il est Il dit non, on est dans le dos. Salon, oh. Salon, oh. Pourtant, le but de l'homme sur la terre, c'est d'adorer l'Éternel, notre Dieu. Mille montagnes qui vont adorer. Mille cailloux qui vont adorer. Ce ne sont pas les bons qui vont adorer. Mille montagnes qui vont adorer. Mille livres qui vont adorer. Mille cailloux qui vont adorer. Adorons Jésus. Excusez. C'est pas la peine de m'appeler, laissez-moi finir mon direct. Fais Gbaza Gbolozo, ce type-là, c'est un Gbaza Gbolozo. Si vous voyez un jaloux, quelqu'un qui vous combat, sans raison, il s'appelle Gbaza et Gbolozo. Voilà, c'est le Gbaza Gbolozo. Il pense que dans le fétiche, il y a Dieu dedans. Vous comprenez? Et puis un matin, pendant, ouais, la maison a pris feu. Ça, c'est le bolo. Partagez, il y a une révélation de taille tout à l'heure.
Partagez la vidéo, on va vous donner des révélations de taille. Vous qui êtes déjà en ligne, soyez bénis, recevez la gloire de Dieu. Recevez shalom à vous. Partagez la vidéo. Partagez au moins 10 fois, 5 fois, 10 fois au moins. Saloué, 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 saloué. Partagez la vidéo au moins 5 fois. Partagez. Partagez la vidéo. Ce ne sont pas les bois qu'il faut adorer, ni les montagnes qu'il faut adorer, ni les rivières qu'il faut adorer, ni les cailloux qu'il faut adorer. Ce ne sont pas les bois, ni les montagnes, ni les rivières. Oh. Adorons Jésus, adorons, adorons mon Dieu. Wow, wow, adorons Jésus, adorons mon Dieu. Wow, adorons, adorons Jésus. Sangaré, shalom à toi, voici mon chargeur de communication. Ouais, Sangaré, shalom à toi. Je tenais à dire shalom à tout le monde. Ouais, shalom à Sangaré. Oui, mon chargeur de communication, celui qui est chargé de la presse de communication. Je tenais à dire shalom aussi au pasteur Serge, à l'église de Divo, shalom à vous. Shalom à tous les enfants spirituels dans le monde, les enfants loyaux. Les enfants fidèles, les enfants qui ont le Saint-Esprit en eux, les enfants qui savent ce qu'ils veulent, qui sont des véritables chrétiens, bien sûr. Shalom à Idiara, shalom à tous les enfants spirituels, n'est-ce pas, de Belgique, dont je me souviens de Sila Prosper, je tenais à dire à Marley, tout le monde Judith de la Suisse. Je tenais aussi à dire shalom aussi à Fatou Koulbali de la RT2. Côte d'Ivoire, shalom à toi. Ouah, le grand général des généraux, Seiko Paulin, le général hors grade. Ça dit toi-même, il n'y a pas étoile même. Il n'y a pas étoile. Voilà, il n'y a pas étoile. Viens, le général. Viens. Voici le chargé qui gère, n'est-ce pas, tous les drones. Voilà, donc il y a, à tous. Voilà, j'attends. Voilà, il vient de me remettre ma tablette. Et puis, voici le général hors grade de la brigade anti-sorcier, Seiko Paulin. Voilà, donc voici le général. On reviendra là-dessus. Tout ça, tout va bien chez lui. Ça va bien chez Ludovic. Voilà, Ludovic, il a 5 étoiles. Si vous amusez, maintenant il a 25 ans. Ne vous amusez pas à lui. Hein.
lui fait décoller les drones. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc très content de revoir mon fils spirituel Ludovic le Général. Très content pour les enfants spirituels dans le monde entier. Très content de voir pas mal d'enfants spirituels. Jacqueline depuis Bordeaux. Ma fille spirituelle Laurette. Bon, tout le monde qu'on appelle Jean-Roch. Voilà, donc Dieu vous bénisse. On a eu un culte très merveilleux hier. C'était vraiment Vivantré, la brigadière. Aussi Denis Champion depuis la Côte d'Ivoire qui rentre demain. Denis se rend demain en Europe. Il rentre demain par la grâce de Dieu. Je tenais aussi à dire shalom aussi à tous ceux qui sont en vacances, qui ont commencé à rentrer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde entend de rentrer. Paris et toute l'Europe ont commencé à être remplis. Parce que bientôt la rentrée scolaire. Donc je tenais à dire shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je tenais aussi à dire shalom aussi. Oui, depuis Suisse, Sophie. Shalom à toi, Sophie. La Blanche, Sophie. Voilà, du courage, ma fille. Denis Champion. Voilà, Denis Champion, Denis Champion. Shalom à toi. Voilà, donc je tenais à dire shalom. Pour demain, hier, dimanche, le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté à l'église de Paris. Voilà, le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté. Je suis là, par la grâce de Dieu, en France, en fait, pour un culte, pour une église, pour établir une église sur Paris. Parce que j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui réclamaient, n'est-ce pas, un lieu de culte, demandaient de les rassembler quelque part pour qu'ils puissent vraiment bénéficier des enseignements de taille. Voilà, des enseignements de taille, c'est ce qu'on a fait par la grâce de Dieu. Nous avons maintenant une église sur Paris, ça fait maintenant 2 mois. Qu'on a maintenant une église sur Paris. Gloire à Dieu, tout va bien. Je suis en train de structurer cette église. Gloire à Dieu, une église au moins de 500 personnes. Gloire à Dieu. Voilà, quand on a des grands programmes, ça peut aller jusqu'à 1000 personnes. Voilà, donc gloire à Dieu, c'est déjà bon. On est en train de structurer, d'organiser. Nous sommes en train de préparer la chorale. Nous sommes en train de bien organiser le groupe musical, le groupe d'intercession et tout ça. Shalom aussi à Pasteur Mélanie. Shalom aussi à tous les frères et sœurs, tous les responsables de cette église. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie davantage. Ceux qui ne sont pas encore, qui ne nous ont pas encore visités, visitez-nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes à Paris, à Vitry-sur-Seine. Venez visiter nos cultes. Nos cultes sont, ont lieu tous les dimanches de 14h à 20h. On a le temps, n'est-ce pas, de manifester. Aujourd'hui, on a essayé, vous avez vu combien hier. Voilà, on essaie maintenant de combiner, n'est-ce pas, le ministère et le culte. Voilà, vous avez vu comment Dieu s'est puissamment manifesté durant ce culte. Il y a eu des délivrances pas possibles, des guérisons, des miracles. C'est ça, c'est ce qu'on appelle avoir l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, ce n'est pas dans la bouche. On dit Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Voilà, Dieu ne se répand jamais de son don et de son appel. Dieu ne se trompe pas, il connaît l'avenir de chacun d'entre nous. Il sait ce que chacun sera demain. Donc, il ne se trompe pas. Quand il donne une onction au prophète Crasso, c'est qu'il sait, il croit en lui, il croit qu'il est son oint, il l'utilise pour délivrer les gens. Voilà, nous délivrons les gens. J'ai été, n'est-ce pas, tellement touché, parce que les gens, ils pensent qu'il a fait des sorcelleries, là, c'est au niveau de l'Afrique. Une fillette qui est née en Europe, qui est née ici en France, qui a contacté la sorcellerie terrible. Vous avez vu ses aveux, comment elle est devenue sorcière, comment elle a initié son frère. Et elle a commencé à manger les Japonais. Donc je lui disais, mais Shibuya de Paris, là, c'est pas d'où bien. Donc elle allait au Japon pour aller manger les Japonais, une fillette de 5 ans qui mange les Japonais. Voilà, et après ça, quand elle a fini de manger là-bas, elle est venue maintenant braiser les gens de Paris pour faire, n'est-ce pas, barbecue, n'est-ce pas, méchoui. Voilà, donc elle a été délivrée en direct. Voilà, en direct. Elle a fait des aveux. Elle était puissamment délivrée. Elle avait l'esprit de la sirène des eaux. Là, comment elle a contacté une jeune fille. Et elle a fait des aveux. Comment l'esprit de la sorcellerie demandait à cette jeune fille de diviser papa et maman. C'est-à-dire, il ne faut pas que papa et maman vivent ensemble. Elle a essayé plusieurs fois, 5 reprises, n'est-ce pas, d'attaquer le foyer, le mariage. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? J'ai posé la question parce que papa et maman avaient une vie de prière. Voilà, gloire à Dieu. Donc, nous avons tiré une leçon dans ça. Vous venez, les petits sorciers vous détruisent. Les enfants de 2 ans vous mangent. Hein, ils font la sauce graine, la sauce aubergine. Ils font djungli, ils vous mangent. Hein, quelque chose en train de me manger. Je sens que quelque chose, on dit,
C'est la prière, l'âme puissante. Là, vous dormez, vous dormez la nuit sans prière, vous vous réveillez sans prière. La petite qu'elle a fait des aveux, elle a dit, j'ai reçu attaqué. Ouais, shalom à toi, pasteur Bédali. J'ai reçu attaqué, n'est-ce pas, papa et maman, parce qu'on m'a dit de les diviser. Et j'ai tenté 5 fois et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ses parents avaient une vie de prière. Et je vous ai toujours dit, tout ce résume-là, la vie de prière, il faut l'entretenir. Voilà, vous pensez que c'est forcément le maréchal qui doit forcément prier pour vous. Certes, à un moment donné, Dieu peut m'utiliser pour vous aider dans la prière, mais en même temps, vous avez besoin de cultiver votre relation avec Dieu. Vous avez besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Vous comprenez? C'est vraiment très, très important de cultiver votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. De pour dire, nous avons vécu vraiment des moments pathétiques, des personnes qui étaient possédées, qui ont été délivrées. Voilà. C'est comme ça tous les dimanches. Voilà. Les gens se posent la question, est-ce que le prophète, oui, c'est une église qui est maintenant établie sur Paris. Ce n'est pas une église du jour au lendemain qui va disparaître. Non. Je vous rassure que c'est une église établie. Voilà, je suis le pasteur, le prophète, l'homme de Dieu sur l'église. Et on a la servante de Dieu, Mélanie. On a d'autres servantes qui sont là, serviteurs, qui vont gérer. Voilà, donc ne pensez pas que du jour au lendemain, ça sera fermé. Non. Mais encore, ce qui est intéressant, c'est que tous les jeudis, sur Paris, je reçois sur Paris tous les jeudis, à partir de 14h, de 14h jusqu'à 20h. Veuillez vous inscrire près de Maman Bessoura. Vous prenez le rendez-vous pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'entretenir avec vous. Parce que dimanche, on n'a pas assez de temps pour discuter avec vous. Donc, tous les jeudis, de 14h à 20h. Encore, vendredi, de 14h à 20h. Samedi aussi également, de 14h à 20h. Et les dimanches, comme je disais, de 14h à 20h, soyez à l'heure. Il faut que l'heure soit respectée. Tous les 14h, soyez là. Nous allons démarrer le culte. Et nous allons vivre des grands moments avec le Saint-Esprit. On a besoin d'entretenir notre foi chrétienne au travers de la parole de Dieu, les enseignements. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je vous enseignais l'importance de la délivrance, comment se faire délivrer, comment avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en soi, comment continuer dans cette marche chrétienne, comment vivre la plénitude de la puissance de Dieu. Et ça, je l'enseignais par la grâce de Dieu. Je pense que les gens commençaient à comprendre beaucoup de choses au travers, n'est-ce pas, de l'enseignement. Mais encore, une annonce de taille. L'annonce de taille, c'est que ce week-end, parce que je pense que l'annonce n'est pas passée. Je vous ai donné une annonce à l'église et les gens pensent qu'il y a une veillée. Non, il n'y a pas de veillée ce week-end. Pas de veillée. Mais il y a un programme. Un programme de taille qui se résume sur le baptême du Saint-Esprit. Le programme, Christian, je suis ton grand frère. J'ai dit à ton grand frère, bon, je ne parle pas, je suis en direct. Toi, Christian, là, il y a quoi? On va se voir tout à l'heure. Voilà, je suis avec Ludovic, mon général. On va se parler tout à l'heure. Je ne comprends plus. Tu es là-bas ou bien? Voilà, donc, je disais comme ça, je reviens sur le programme. Le programme est ainsi. Il n'y a pas de veillée ce vendredi. Le programme commence proprement dit le vendredi. Mais nous restons dans un moment de jeûne. Voilà, nous restons dans un moment de jeûne. Vous jeûnez jusqu'à 18h, vous mangez chez vous, vendredi. Pour ceux qui veulent les entretiens, vous venez pour qu'on puisse s'entretenir avec vous. Ça, c'est ce vendredi. Le samedi, tout le monde, c'est-à-dire toute l'église, tous ceux qui sont en France, un peu partout dans le monde, qui aimeraient, n'est-ce pas, venir expérimenter le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il faut que Dieu nous baptise. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous serez des chrétiens fades. Vous serez des chrétiens, n'est-ce pas, à la merci du diable. J'enseignais ça hier. L'enseignement d'hier, j'ai dit, quand Jésus-Christ a été baptisé d'eau, après le baptême d'eau, il est rentré dans le désert, il a été rempli du Saint-Esprit. La Bible, il est parti prêcher. Regardez ce que les gens ont fait. On dit, les démons avaient peur de la présence de Dieu. On dit, mais c'est qui prêche? Il avait plein d'autorité. Et les démons disent, fils de Dieu. Par contre, quand vous regardez dans la vie des 7 filles de Séva, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 19, ces personnes n'ont pas pu chasser, n'est-ce pas, un possédé. Ils étaient 7. Pourquoi? La raison, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ouais, ils ne vivaient pas une vie chrétienne digne de gloire. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux et ils ne vivaient pas une vie chrétienne. Bien que leur papa était pasteur parce qu'il était sacrificateur.
n'est-ce pas? Il gérait la synagogue. Je peux vous dire en un mot, frère, c'est une question d'être rempli. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, les démons ont peur de vous. Quand vous parlez, les démons se soumettent. C'est pour cela que nous autres, Dieu nous fait la grâce d'être toujours dans sa présence. C'est pour ça que David a dit, ne m'arrache pas ton Esprit Saint et ne t'éloigne pas de moi. Oui, ne m'arrache pas ton Esprit Saint et ne t'éloigne pas de moi. Donc, il faut que l'Église, vous savez, quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est, n'est-ce pas, il est dans les critiques, n'est-ce pas? Il est le manque d'amour en lui. Et c'est celui-là qui est dans les commérages, c'est celui-là qui est dans les vilaines choses, c'est celui-là qui est toujours en train d'accuser les gens, c'est celui-là qui est ici et là, n'est-ce pas? Donc on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, on dit Esprit Saint, son esprit est saint. Là où on critique les gens, il ne s'y met pas, il n'est pas la base des divisions, il n'est pas rusé. Or, celui qui a un démon en lui, il a un esprit malin. Or, l'esprit malin, c'est celui qui est rusé. Il y a des gens, ils sont rusés. Quand ils les voient, c'est comme petit frère de Berzébul. C'est-à-dire, tu le regardes, tu dis, lui là, tiens, ton papa, c'est Berzébul ou bien. Voilà, donc vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Il faut que Dieu nous remplisse de son esprit. Il faut que Dieu nous remplisse de sa puissance et de sa plénitude. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu nous donne la victoire sur les œuvres du diable. C'est pour cela que ce vendredi, il n'y a pas d'éveillé. Je précise très bien, pas d'éveillé. On ne veillera pas jusqu'au petit matin. Nous avons nos réceptions. Nous allons faire la réception. N'est-ce pas? Nous allons faire la réception. Également, jeudi, il y aura la réception. La réception, comment je dis? De 14h jusqu'à 20h. Également, vendredi, de 14h jusqu'à 20h. Mais vendredi, le programme va commencer avec l'église. Avec ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Ceux qui aimeraient être remplis du Saint-Esprit. Ou c'est toujours dans le jeûne. Jusqu'à 20h. Voilà, à 20h. Et puis, nous allons démarrer un programme à partir, n'est-ce pas, à partir de 18h jusqu'à 22h. Et encore, nous allons clôturer le programme, n'est-ce pas, le dimanche. Voilà, nous allons clôturer le programme dimanche, le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait appel à tous les enfants spirituels dans le monde, ceux qui sont, qui aimeraient. Et en même temps, nous allons avoir un sujet clair. La Bible dit, tu ne tueras point. C'est un commandement de l'Éternel dans le livre de Lévitique. Et nous allons nous révolter contre les œuvres, la sorcellerie. Parce que le mois que nous allons aborder, parce que je vais enseigner ça, le mois que nous allons aborder bientôt, c'est le mois de septembre. La plupart du temps, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre sont les mois les plus dangereux. Et c'est pour cela qu'il faut que vous soyez à ce programme, ceux de Bordeaux, ceux de Bruxelles, ceux, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse, nous allons prier pour ça. Et en même temps que les dons puissent être développés en vous. Les dons de prophétie, le don de parler en langue, le don de discernement, les 9 dons spirituels soient développés en vous, que vous soyez les puissants, ceux qui ont été refroidis dans cette histoire de l'Esprit de Dieu, ceux qui n'ont plus de dons, ceux qui, dont Dieu ne parle plus, ce n'est pas normal que tu sois là, que Dieu ne te parle plus, ce n'est pas normal que tu sois là sans l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement des opportunités. Voilà, autant dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. C'est pour ça que l'Esaïe a dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Or, nous, il est maintenant en nous. Et nous sommes nous sommes maintenant désormais le temple du Saint-Esprit. Il faut que j'explique ça. Mais en même temps, là, Abraham, qui a dit à Abraham que les 3 qui passaient étaient les anges, si ce n'est pas le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui a révélé les 3 personnes et montre à Abraham que ces 3 personnes sont des anges. Je peux vous dire en un mot, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes mal barré. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ou n'est-ce pas, vous êtes très, très, très mal barré. Pour vous dire, voici un peu le point. Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous donner ces informations de taille. Je tenais à vous dire que tout va bien depuis, n'est-ce pas, ma base. Je tenais à vous dire depuis ma base. Maintenant, nous avons un groupe WhatsApp pour l'église, n'est-ce pas? Nous avons 2 groupes. Nous avons 2 groupes WhatsApp. Voilà, nous avons 2 groupes WhatsApp. Maintenant, nous avons un autre groupe que je vais donner tout de suite. Le groupe WhatsApp tout de suite. Et c'est le 00225, je donne le groupe WhatsApp, 00225 77 53 1503. Je reprends, je viens de créer un nouveau groupe WhatsApp pour des moments de prière et tout ça. Nous avons 2 groupes. L'autre groupe, c'est le numéro de Donny Champion, dont je suis administrateur. Et j'ai encore notre deuxième groupe WhatsApp qui est 00225 77 53 1503. Pour être aussi cette plateforme du groupe, c'est tellement simple. Vous envoyez seulement vos noms. C'est-à-dire, vous écrivez et vous dites votre nom, votre identité. Comme ça, on vous ajoute sur la plateforme de WhatsApp.
Voilà, on vous ajoute sur la plateforme de WhatsApp. 00225-77-53-15-03. Je reprends quoi? 00225-53-77. 00225-53-77-53-15-03. Je reprends. 00225-77-53-15-03. Vous, c'est le groupe Prophète Joël Crasso. C'est un groupe WhatsApp créé, Prophète Joël Crasso. Voilà, c'est ça. Et vous faites votre demande et vous montrez votre identité. C'est vraiment important. Tous les enseignements, vous aurez tous les enseignements matin. Vous aurez tous les enseignements le soir. Vous aurez les prières de pointe le soir. Et encore, nous avons aussi le forum MCA. Ce sont les deux plateformes de WhatsApp que nous avons pour le moment. Voilà, donc tous les enfants spirituels sont invités, n'est-ce pas, à ce grand programme. Je tenais à dire, préciser que ce week-end, il n'y a pas de veillée. Il n'y a que, n'est-ce pas, des moments de prière. Des moments de prière, baptême de cet esprit. Et le grand rassemblement aura lieu ce samedi à partir de 20h. Et 18h jusqu'à 22h pour le baptême de cet esprit. Et dimanche, nous allons également inviter tous les malades, inviter tous ceux qui sont possédés, inviter tous ceux qui ont besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, c'est vraiment très important. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le diable aura peur de votre autorité. C'est parce que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit que vous ne pouvez pas chasser les démons, que vous pouvez pas, que les démons n'ont pas peur de votre autorité. Voilà, donc je tenais vraiment à rappeler ça pour vous dire que cette semaine est vraiment une semaine pleine de choses. À partir, c'est vrai, vendredi, nous commençons un jeûne. Mais le jeûne, nous allons rester, n'est-ce pas? Nous allons rester à la maison pour jeûner, voilà, jusqu'à... Et puis maintenant, vendredi, samedi, jusqu'à 20h, nous allons commencer un moment de prière jusqu'à, n'est-ce pas? Nous allons démarrer à partir de 18h jusqu'à à 22h. Et dimanche également, nous allons démarrer le baptême de cet esprit. Il faut que chacun ait un don spirituel. Il faut que le don spirituel, il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Il faut que nous recevons la plénitude, la puissance de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit pleinement en nous. En fait, que nous soyons témoins de Jésus-Christ. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous, retenez ce passage, Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Il est l'esprit de vérité. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, on dit l'anglais, est un esprit malin, donc rusé. Vous allez comprendre que ceux qui complotent des choses contre vous n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pousse pas quelqu'un à détruire son prochain. Le Saint-Esprit ne pousse jamais quelqu'un à boire nuit. Le Saint-Esprit ne pousse pas des gens à détruire. Le Saint-Esprit ne t'amène pas dans les critiques. Le Saint-Esprit ne te conduit pas dans la rébellion. Parce que ce n'est pas un esprit de rébellion, c'est un esprit de vérité. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai compris que si quelqu'un se ligue contre toi, si quelqu'un se lève contre toi, si quelqu'un te vilipende, si quelqu'un te combat, ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Voilà, donc ne te mêle pas dans le même jeu que lui. Ne fais pas comme lui, n'est-ce pas? Nous recherchons l'esprit de vérité. On dit quand l'esprit de vérité sera venu, il nous montrera le chemin. Et c'est lui qui conduit, c'est lui qui oriente les gens. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je tenais vraiment à faire l'annonce de taille. Et puis bon, on est ensemble. On est ensemble par la grâce de Dieu. Et je tenais à vous dire demain, je fais un bon direct par la grâce de Dieu. À partir, n'est-ce pas, de 20h. 22h plutôt, 22h, je vais reprendre encore notre direct pour encore situer les gens sur un enseignement de taille. Je vous aime, soyez bénis là où vous êtes, soyez fortifiés, soyez bénis, recevez la puissance de Dieu chez vous, que Dieu vous protège et que les mois qui arrivent, qui sont les mois les plus dangereux, recevez la puissance de Dieu, la protection de l'Éternel, que Dieu confonde tous vos ennemis, que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Shalom à vous. Soyez bénis. Voilà, je suis avec le général. Voilà, je veux, n'est-ce pas, on a beaucoup de choses à faire tout à l'heure. Voilà, donc shalom à vous. Au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis.